Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo laissé sur le une honte pour ses proches très remontés. C'est une décision qui a pris tout le monde de court. Un peu plus d'une heure avant la rencontre cruciale face à la Suisse. On a appris que Cristiano Ronaldo ferait partie des remplaçants, lui qui a été titulaire lors des trois premières rencontres de son équipe. Stupeur chez ses fans et également ses proches, qui n'ont pas du tout compris cette décision. Malgré l'écrasante victoire 6-1 de son équipe et le fantastique triplé de son remplaçant. La pilule ne passe pas pour le joueur de 37 ans et ses proches. Sur son compte Instagram, sa compagne Georgina Rodriguez s'est félicitée du résultat, mais elle en a également profité pour glisser un petit tacle à l'intention du sélectionneur. Quel dommage de ne pas avoir pu apprécier le meilleur joueur du monde pendant les 90 minutes. Les supporters n'ont pas cessé de te réclamer et de crier ton nom, écrit-elle. Stylo Diva place holdé à 1 et à 1, 8 300 px, minimum et 250 px, at media screen end, minimum 8 990 px, div. A place holdé à 1 et à 1, 8 620 px, minimum et 350 px, style. Des mots qui devraient certainement avoir un écho assez important au Portugal, puisque si Georgina s'est permis de dire cela. On imagine que la star du football n'a rien trouvé à y redire. Si la compagne de Cristiano Ronaldo est visiblement déçue. Sa sœur Elma Aveiro est bien plus virulente dans ses propos. Sur son compte Instagram. La mère de famille de 49 ans a publié une story, qui est à retrouver dans le diaporama. Dans lequel elle s'en prend ouvertement à Fernando Santos, le sélectionneur portugais. De quoi va-t-il s'excuser? C'est une honte d'humilier un homme qui a tant donné, lance-t-elle à son intention. De son côté, Cristiano Ronaldo ne s'est pas exprimé sur son nouveau statut de remplaçant. Lui qui a déjà connu ça cette année du côté de Manchester United. Attaqué par son clan. Le sélectionneur a tenu à mettre les choses claires. J'ai une relation très proche avec lui. Je le connais depuis qu'il a 19 ans et nous avons développé une relation forte. L'aspect humain n'a jamais été mal interprété. Je suis sélectionneur, il est joueur. Il sait quoi faire pendant le match. Pour moi, il est un joueur très important de la sélection. A déclaré Fernando Santos après la rencontre.